Au Palais des Sports de Gerland, ce sont 2000 injections qui peuvent avoir lieu chaque jour, 7 jours sur 7. Il y a également un centre de dépistage. En moyenne, 800 tests sont effectués chaque jour. Et ce vendredi, c'est le maire de Lyon qui a effectué un test PCR. Grégory Doucet est venu pour voir la réorganisation du Palais des Sports depuis l'annonce de l'augmentation des doses et à la veille d'un week-end prolongé. Il s'est exprimé également sur les rassemblements en extérieur et sur l'arrêté pris par le préfet de fermer les parcs et les jardins cette semaine. Écoutez-le au micro de Marie Redortier. Et l'espace public extérieur, justement, présente beaucoup moins de risques que les espaces fermés, clos, que ce soit chez soi, que ce soit au travail. Donc non, moi je pense que surtout avec le temps, la météo qui est assez clémente ces derniers temps, on doit pouvoir avoir ces temps de respiration. Donc non, je ne suis pas du tout favorable à la fermeture des parcs, des berges. Je pense au contraire qu'il faut les laisser ouverts.